Ça, c'est une affaire. Moi, je me demandais, avant qu'on fasse ce DVD, on se disait, je devrais-tu boire pendant le show? Puis moi, je bois tout le temps. Quand je fais des shows, je bois pas tout le temps, mais tu sais, quand je fais des shows, je pense que les seules shows que j'ai pas bu de ma vie, c'est quand j'étais en Afghanistan. J'avais fait des shows là-bas pour les soldats, qu'il n'y a pas d'alcool dans le pays. C'est pas d'alcool, vu que c'est un pays islamique. Puis, fait que moi, je me dis, OK, je boirai pas pendant ces shows-là. Mais j'ai un de mes chums qui m'a dit, Chris, tu devrais boire pareil. Amène de la boisson. Amène-en, puis amène-en pas juste pour toi, amène-en pour les soldats. Si t'amènes de la boisson pour les soldats, les gars vont capoter sur toi. Comme si c'était facile de même rentrer de la boisson pour 28 000 personnes. Tu sais, de la dope, c'est un peu plus simple. Tu prends un condom, tu remplis ça de poudre, tu te rends ça dans le cul, mais de l'alcool. Tu sais, juste un 71, là... Ça ferait mal en tabarnak! Sérieux, j'ai pas le cul assez large. Faudrait leur envoyer Laurent Paquin. Il faudrait vraiment... Laurent débarque de l'avion, les gars, c'est comme, bien sûr, ils nous amènent un baril de draft. Ça serait... Ça le fait... Même pas une joke de gros. Moi, Laurent, j'ai fait l'école avec Laurent. J'ai fait l'école l'humour avec. J'avais perdu ma voix. Le premier show de l'école... J'arrive au show, plus de voix. Laurent, il avait fait un peu de théâtre, il me donne un truc. Il vient me voir, puis il me dit, rentre-toi une gousse d'ail dans le cul. C'est ça son truc, rentre-toi une gousse d'ail. Puis là, j'étais comme une gousse d'ail dans le cul, c'est-tu un vrai truc? Tu sais, ça sonne un peu théâtre, tu sais, ils sont tout le temps en train de se rentrer des affaires dans le cul. Fait que là, il me dit, OK, je vais l'essayer. Moi, j'ai rien à perdre, je m'en vais à l'épicerie. J'achète l'ail, j'achète du Lipsil, qui avait plus de vaseline, et là, je m'en retourne chez nous. Moi, j'avais 19 ans à l'époque. Fait que moi, à 19 ans, j'avais rien. J'avais jamais fait à manger. Moi, je me faisais des green cheese, des ramen, des pogo, puis du Kraft Dinner. Fait que moi, l'ail, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je sors l'ail de la boîte. Je sais pas que ça se défait en petites gousses, asti. J'ai juste vu le gros oignon, puis là, j'étais comme tabarnak. Il est bien slack du trou de cul, Laurent Paquin! J'ai retrouvé la voix, mais j'ai eu peur de tousser pendant deux semaines.